Salut mes petits renards, aujourd'hui nouvelle rando, je suis dans la forêt de Auvillé, c'est une commune située dans le département de la Marne qui fait partie du PNR de la montagne de Reims. Donc c'est parti, je suis dans la forêt. Donc le chemin est très boueux, ah, il y a beaucoup plu ces dernières semaines. Comme un peu partout en France d'ailleurs. Mais ouais, il y a pas mal de boue. Mais bon, ça fait partie de la rando. Aujourd'hui, il fait plutôt beau. C'est pour ça que j'ai profité de faire une petite rando tranquillou. Grand soleil, il fait 24 degrés. Pas mal de moustiques déjà. Essayer d'esquiver tout ce qui est marécage. Ça glisse, ça glisse. Faire des petits exercices. Écureuil, l'acrobate de la forêt. Faire l'écureuil, passe d'un arbre à l'autre avec les mains et les pieds en t'aidant des branches. Ça c'est une petite patte de biche ou de chevreuil, je pense. Pont. Toujours un peu plus frais dans la forêt. Il fait bien chaud, hein. Ça transpire, ça transpire. C'est vrai qu'on va pas se plaindre. On a vraiment eu 3 semaines catastrophiques au niveau du temps. Que de la pluie. Donc on va profiter un maximum. Le ciel est bien bleu en plus.
On va tourner à gauche. La deuxième partie de forêt. La fraîcheur de la forêt. Chant des oiseaux. La chouette hulotte. Bel animal. Alors là, on est sur le sentier du Pic Noir. C'est un petit sentier avec pas mal de panneaux d'informations sur les animaux, sur les arbres, sur plein de choses. Le rouge-gorge familier. Moi, tout le monde connaît le rouge-gorge. Hein. Éprouver la dureté des arbres. Le bois des arbres est plus ou moins dur en fonction de leurs essences.
comme moi avec mon bec, teste leur dureté à l'aide du marteau. Alors, le chêne érable, bouleau, le hêtre, craque celui-là, le charme, arbre remarquable, le chêne des Rincillons. Âge estimé, environ 250 ans. Hauteur 28 mètres. Circonférence 4,14 mètres. Il est énorme. C'est celui-là là. Allez voir. Ouais, il est énorme. Ouais, c'est reparti. Bon, on arrive sur la fin. Fin du petit parcours. Allez, encore un peu de boue pour finir. Finir en beauté. On va essayer de ne pas tomber. On va éviter. Les petits renards, cette rando est terminée. J'espère que ça vous a plu. Randonnée ensoleillée mais très boueuse. Bah bon, ça fait partie du jeu. Si tu le souhaites, tu peux partager, liker et commenter. Et surtout t'abonner, ça m'encourage et ça fait plaisir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !